les filles et les garçons, s'il y en a, j'espère qu'il y en aura, on ne sait jamais, il y a des hommes qui font du maquillage aussi maintenant. Donc, bienvenue sur ma chaîne pour ma première vidéo YouTube. Pour ce faire, j'ai choisi un thème qui me tenait à cœur, la magie du make-up. Parce que, oui, on a vu des vidéos sur le net circuler avec des visages de femmes transformés grâce au maquillage, mais en général c'est pour des événements particuliers, des mariages, des occasions qui se présentent une fois dans la vie. Alors certes, peut-être sont-elles trop transformées, mais si on se sent bien dans sa peau, si on aime ce qu'on fait, parce qu'en fait le maquillage pour moi c'est avant tout une passion, c'est vraiment une passion, et j'espère que je vous transmettrai cette passion à travers cet écran que vous regardez, à travers mes vidéos, à travers mes pinceaux, à travers tout ce que je ferai. J'espère vraiment pouvoir vous transmettre cette passion-là. Alors, je vous invite à vous abonner massivement, c'est là, en dessous, à ma chaîne YouTube, et je vous invite à liker. Pas disliker, j'ai bien dit liker. Hein. Ah oui, on vous connaît. Hein. Donc j'ai bien dit à liker massivement si ça vous a plu, et n'hésitez pas à me faire part d'idées de thèmes qui pourraient vous intéresser à l'avenir. Je me ferai un plaisir de tourner ces vidéos pour vous, et une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne et à la prochaine. Je vous fais des bisous. Donc je vais commencer par les yeux, parce que moi je commence toujours un maquillage par les yeux, et on va faire un smoky. On va appliquer une... Normalement, c'est une base pour les yeux, mais moi, je vais pas acheter une base pour les yeux, alors j'ai mon concealer de chez Elegirl. Je vais l'appliquer. On va prendre plusieurs. Bon, on va prendre ce fard de chez Kiko, c'est un fard marron. On va poudrer tout ça. C'est pour fixer la base et pour fixer le fard. Enfin, les fards. Je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Au creux de la paupière mobile. Ok. Ensuite, je vais prendre cette palette, je ne sais plus où je l'avais achetée, je sais plus. Je vais prendre ce fard rose avec le même pinceau pour mélanger les couleurs. Mon autre pinceau, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre la palette de chez Morphe. Je vais l'ouvrir, mais vraiment black, black, black. Là. Mais vraiment en venant vers le bas, pas vers le haut, mais vraiment vers le bas, quoi. Ok, pour que ce soit vraiment black, 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 je vais prendre un eyeliner en peau. N'hésitez pas à y aller au doigt. Hein. Et on veut pas de démarcation. Donc on va estomper, estomper, estomper. Pour effacer, comme je l'ai dit, toutes les démarcations. On ne veut pas de démarcation entre... Vous voyez déjà la différence entre le fard noir et le marron et le rosé. On ne veut pas... Le trait, là, il doit pas se voir. Il doit absolument pas se voir. Cet highlighter, magnifique, de chez Slick. Donc c'est fait. J'applique mes faux cils et je reviens. J'applique mes faux cils. Je prends une lingette.
vous retirez alors tout ce qui s'est versé sur mon visage. Alors, je vais appliquer ma base de chez MAC. Oil Control. Je vais appliquer une noisette. J'en ai peut-être un peu trop pris. Bon, c'est pas grave. On l'applique. Attends, c'est le Lancôme. Le Lancôme teint ultra, teint idole ultra wear. C'est juste... il est oufissime. Il est magnifique. Donc, je vais en prendre un peu. Je vais appliquer... sur mon visage, j'étale d'abord mon doigt comme ça. Et on va étaler tout ça. Alors, toujours commencer vers le bas. Toujours. Et ils sont, mon Dieu, ils sont tellement bons. Alors j'ai tes petits yeux, je sais, c'est parce que normalement je porte des lunettes. Vous verrez à la fin de la vidéo. On passe également sur le cou, hein. On ne veut pas qu'il y ait des marquations. Après, il y en a qui n'aiment pas étaler fond de teint sur le cou, mais moi je le fais. De teint. On continue avec l'anti-cerne. Mon anti-cerne, c'est un Eligard. Sur mes cernes, on va en mettre un tout petit peu, on va pas en mettre beaucoup. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre mon beauty blender. Alors, vous voyez, quelques tapotements. On tapote, hein, ça j'ai oublié de vous préciser. On tapote, on n'appuie pas, on n'étire pas, non, on tapote. Donc, je vais prendre ma palette de chez NYX qui ressemble un peu à celle de chez MAC. Qui coûte une 40aine d'euros chez MAC, mais chez NYX, je crois que c'est une 20aine d'euros, je ne me rappelle plus très bien du prix. Mais elle fait très bien le travail aussi. J'en mets juste un peu, j'en mets là. J'en mets sur mon front. Et là, sur l'arête du nez. Et on va reprendre notre beauty blender et on va estomper. C'est pour éclairer les zones de lumière. Je serais vrai que je ne vais pas expliquer, mais pour éclairer les zones de lumière. Je vais prendre ma poudre Sacha et je vais en appliquer partout où j'ai appliqué mon anti-cerne. Alors oui, c'est une poudre translucide mais jaune. Mais une fois qu'on aura estompé, vous verrez, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas du tout. Ce marron foncé, on va creuser les joues. On va faire ça. Au niveau du front. Et là. On va estomper. Ok, une fois que tout ça c'est fait, on va retirer la poudre parce que je ne vais pas la laisser trop longtemps non plus. On retire un peu ça. Ensuite, je vais prendre ce pinceau et je vais prendre, pour accentuer un tout petit peu mon contouring, on va tapoter et on va creuser et appliquer. Et mon Dieu, comment ils sont pigmentés! Regarde, on sourit.
ça c'est fait. On a pratiquement terminé avec le teint. On va reprendre avec les yeux parce qu'on n'a pas terminé avec les yeux. On va prendre un pinceau, un petit pinceau plat. Et on va faire ceci. Ensuite, je vais prendre mon pinceau avec le fard noir de tout à l'heure et on va estomper un tout petit peu tout ça. On va reprendre notre fard noir pour estomper. Dessous également avec. Ensuite, on passe à l'highlight. Alors, pour l'highlighter, j'ai cette palette de chez Slick. Également un tout petit peu sur le front. Alors j'ai pas contouré mon nez parce que je n'aime pas particulièrement le contouring du nez. Je n'en suis pas, je suis pas une grande fan, donc moi je le fais pas. Après chacun fait ce qu'il veut, hein. On s'amuse avec le maquillage. Un tout petit peu là. Là, 2 minutes. Donc je vais appliquer ce NYX de chez rouge à lèvres mat de chez NYX, le Abu Dhabi. Fixer tout ça, ce côté il est baffé et celui-ci